Bonjour à tous et à toutes les familles. J'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le Savais-tu numéro 10 au programme Motocross, Pokémon, football et voilà. J'ai ma chaîne YouTube et voilà. Donc pour commencer Motocross hier dans MX2, j'ai failli se remporter deux manches, donc les reçu sa plaque numéro 1 parce qu'il est évolué au classement du championnat devant Taïf Lundis et Jonas. Ouais, ça, Jonas. Et en MX2 GP, le Team Gazer remporté deux manches du Grand Prix de Qatar et la chose que j'ai fait à Ligue, c'est la plaque numéro 1. C'est-à-dire qu'il y a des championnats virtuels. Et ensuite, voilà. Ensuite, deuxième, c'était Bobrichef. Et troisième, c'était. Non, attends. Et. Non, les troisième. Oula. Le troisième, c'était Fèvre. Non, je peux. Ouais, c'est ça. Fèvre. Romain Fèvre, en français. Malgré l'abondance de Gauthier Poulain qui a essayé le all shot au début. Voilà. Donc, je peux aussi dire que le football avec le Marseille qui est éliminé de l'Europa League. L'Europa League a passé un match nul partout face à l'AC Bilbao à l'extérieur. Ensuite, on peut. Bah, le Sénégal qui a gagné 2-1. Enfin, non, qui a battu 2-1 face à l'AC Bilbao. Notre retour. Voilà. Donc, alors qu'il est 4 à 3. Voilà, après le match entre Gaz-Expo et Marseille était reporté en raison des autres pays dans le sud, dans le Var, ou je crois, en Corse, je veux dire. Ensuite, nous sommes le PSG OL, non, OL PSG Choc. Un niveau de choix. Encore voilà. Ensuite Pokémon. Comme vous l'avez bien entendu, le vendredi 16, ce vendredi à 16h, un de nouveaux jeux Pokémon vont bientôt sortir sur Nintendo 3DS fin février, fin 2016. Il s'agit de Pokémon Soleil et de Pokémon Lune. Et dans les premiers atouts qu'on peut voir, nous pouvons découvrir que des nouveaux bâtiments comme le centre Pokémon bien remasterisé, bien nostalgique. Et ensuite avec des sortes de véhicules, les ambulances. Je sais pas trop ce que c'est, mais bon. Ah bon, on peut remarquer aussi que Nintendo a dévoilé une petite vidéo où on peut voir la création d'un Pokémon. La toute nouvelle génération. La septième génération. Ensuite, on peut remarquer aussi une photo où on peut voir une arène d'eau avec des Staris, d'Obali, d'Hippotrempe, etc. Voilà. Donc, voilà. Ne pas grandir plus sur ce jeu. Mais bon, on verra ça le prochain mois, les prochaines semaines. Mais c'est pas fini. On aura d'autres infos dans les prochains jours ou prochaines semaines. Les prochains flash infos. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que. Allez, je joue aussi sur League of Legends, ce fameux jeu où on incarne un champion avec 4 autres champions, 4 autres alliés, et on va détruire un Nexus ennemi. Mais attention, les ennemis ont parfois des champions qui ont le même que vous. Et ça s'appelle de l'anti-jeu. Parce que avoir le même champion que l'autre, c'est de l'anti-jeu. Parce que ça a la même attaque, mais le problème c'est que si. Parce que c'est pas. Parce que le problème c'est que c'est. On peut pas avoir. C'est impossible d'avoir un même champion que l'autre. Je comprends pas.
Dans League of Legends. C'est le problème. Parce que si t'as le même champion que l'autre, ça veut dire que tu vas perdre peut-être. Tu vas perdre. Et que si tu commentes à lui, t'es sûr que... T'es sûr que tu vas mourir. Voilà. Bon, enfin bref. Bon, là, j'ai joué au niveau 11. J'ai commencé depuis au moins un mois sur ce jeu. Qui me plaît déjà bien. Bah, avant, j'ai déjà joué à Dofus en même temps. Oh, Dofus, c'est un jeu, mais beaucoup trop de quêtes avec des ingrédients. Pour chercher les minerais pour créer les objets. Oh là. C'est chaud. Je l'ai même pas. Ah, j'ai commencé par Forestry. Mais bon, Forestry, c'est un jeu de carnet. Il y a un mage ou un. Ou un autre truc mais genre c'est des didacticiels qui apprennent tout et après t'appuies sur F après t'apprends rien, t'as des quêtes, tu te mets je sais pas où, enfin bref. Ensuite bah, sur ma chaîne YouTube donc j'essaierai de faire un SP en racontant l'histoire comme dans Pokémon version Ruby Omega. Je lancerai le jeu, j'écrirai un texte où je serai sur un bloc-notes, et j'écrirai tous les événements qui se passeront. Ben, pas en tout, mais je ferai un résumé, voilà. Sur l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, voilà. Un des différents épisodes, voilà. Donc ensuite, bah, sur ma chaîne YouTube, on est toujours Pokémon Assemblée qui va bientôt arriver. Parce que là, je vais préparer. Ensuite, FIFA 16. FIFA 11. Bah là, j'ai fait les championnats de France Ligue 1, le PSG. Là, j'ai refait un... Là, j'ai continué avec le PSG. Vous allez voir les autres matchs. Avec les nouvelles recrues, bien entendu. Ensuite, avec Smile Ancestral 2006. Là, j'ai bientôt fini la mode saison avec Batista. Et j'ai commencé avec un nouveau jeu sur Smite Ancestral 2007. Avec un... Pour vous montrer les fonctionnalités. Voilà. Et après, bah... Voilà. C'est tout. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah voilà, je pense que c'est tout. Moi, je l'ai tout dit, non? Ouais, je dis, je pense. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bon, qui a pas duré beaucoup de temps, mais bon, c'est pas grave. Enfin, 8 minutes ou 9 ou 10, pas mal. Et on se dit... Ah, dans une prochaine vidéo sur dans le prochain épisode de FabActu numéro 11, plus sur le prochain. Il va mettre un j'aime et un commentaire. Sur ce, je vous dis à tous de passer une très très bonne journée. Allez, bonne journée à tous.